réaliste. Et réaliste. Je vous l'avais dit, après ce premier match perdu, à mon avis, contre le cours du jeu, puisque même si on ne méritait pas de le gagner, on ne méritait pas forcément de le perdre. Quand on a pris l'équipe de France, après ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on savait, même vous l'avez dit, le chantier qu'il y avait à accomplir. Mais voilà, le chantier, on s'y est attaqué et petit à petit, on essaye de s'améliorer, mais il est encore là et bien là. Donc des progrès à faire, il n'en manque pas. Dans la complémentarité des joueurs, dans le choix des joueurs aussi, et surtout dans la performance individuelle et collective de l'équipe. On ne va pas se gargariser dans la mesure où bon, il reste encore beaucoup de matchs. Mais j'estime que bon, hein, après le premier match où on a obtenu malheureusement une défaite, 3 matchs après être premier et avoir un point d'avance sur notre poursuivant, c'est une bonne chose, même une très très bonne chose.